Thank you for watching Conscious Consumer Network. The live stream broadcast is free to view. You can pause and rewind live broadcasts to catch up, or view shows at a later date by accessing our free archives of all shows. Check out our broadcast guide to see what's on. You can show your support by donating to our network support fund. Follow us on Facebook and Twitter, or subscribe to the monthly newsletter for updates. We thank you for supporting free and independent media. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette émission Les couleurs de l'âme. Si je ne me trompe pas, je crois qu'on est à la 8e émission. Et ce soir, j'ai la grande joie d'accueillir Jean-Luc Gentieux. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir et bienvenue à tous pour cette rencontre. Pour moi, c'est la première rencontre, donc c'est une toute nouvelle expérience et je suis très heureux de passer ce temps avec vous ce soir. Ouais. Bonsoir tout le monde. Ouais, c'est vrai que moi, je suis très émue. Hein. Avant l'émission, ça allait bien, mais là, tout d'un coup, on a des émotions. Alors, on a un vaste programme ce soir. Jean-Luc va nous parler de l'ego sous sa forme spirituelle. Qu'est-ce que je dis? Sous sa forme énergétique. Je perds mes mots. Et c'est aussi sous la forme. Effectivement, c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre parler de l'ego au niveau mental et au niveau psychologique. Et c'est vrai que la première fois que j'ai lu ton article sur l'ego dans sa dimension énergétique, je me suis dit, waouh, là on tient quelque chose qui pourrait nous apporter des éclairages qu'on n'a pas entendu jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que tu veux bien nous... Très bien. Alors, l'ego, c'est un vaste sujet et en même temps, tout le monde connaît plus ou moins parce que tout le monde est concerné par cette thématique, tout le monde possède un ego. Et puis, très, très souvent, les personnes ne savent pas trop quoi en faire parce qu'ils commencent à prendre trop de place et les personnes n'arrivent pas à s'épanouir dans la vie. Alors pour moi, ben je suis passé aussi par toutes ces turbulences de la vie, hein, puisque c'est l'objet de la rencontre de la vie terrestre et de la dualité terrestre, avec la façon de la rencontrer qui peut créer des tensions au niveau physique, émotionnel, mental et énergétique, etc. Et notre fonction au travers de l'ego, ça va être de rencontrer l'expérience de la vie pour unifier ces tensions, pour unifier la dualité afin de minimiser ces tensions tout en vivant dans la dualité. Et donc, avec un ego tel qu'il devrait être dans sa finalité de vie, ce serait marcher sur un fil tel un funambule dans un milieu chaotique. Et toute l'histoire de l'ego, elle est là. Est-ce que le chaos m'appelle ou est-ce que le chaos mais indifférent, sachant que je ne suis pas coupé du chaos. Et donc, c'est ça que l'on va approfondir. Donc, pour moi, je suis passé par des turbulences dans ma vie, et la vie m'a démontré que je n'étais pas la personne que je pensais être. Et pourquoi? Parce que j'ai vécu des expériences qui m'ont amené à avoir mon ego. Et là, je me suis rendu compte que la réalité, elle est tout autre, et que nous sommes tout autre que ce que nous pensons être, et que nous sommes des êtres bien plus vastes que ce que nous sommes, que ce que nous pensons être là, dans une dimension de conscience limitée. On ne peut pas séparer l'ego de la conscience, et c'est pour ça que je vais parler également du cheminement de conscience. Et tout d'abord, je vais simplement mettre des petites choses au clair concernant l'ego. L'ego, il y a des personnes, surtout par des certaines philosophies orientales, où on pourrait dire il y a à supprimer l'ego. Ce n'est pas mon point de vue. Pour moi, aujourd'hui, il est essentiel d'utiliser l'ego, d'en avoir conscience, parce que nous vivons dans la matière et que c'est cet ego, à condition qu'il soit transparent ou apprivoisé, c'est lui qui va nous aider à vivre la plus belle vie que nous souhaitons. Et donc, pour cela, il y a tout un travail.
Ce travail, c'est un cheminement de conscience. Si je ne suis pas conscient de mes limites en moi et de ce qui me limite au travers de l'ego, et je vais préciser ce qu'il est d'un point de vue énergétique, alors si je ne suis pas conscient des limites, je ne peux pas les travailler et donc je tourne en rond à l'intérieur. Et c'est là où il est nécessaire qu'il y ait un accompagnateur pour franchir une transition de mise en conscience de façon à devenir suffisamment autonome pour continuer à travailler sur soi au niveau de l'ego. Et je pense que nous allons arriver à un moment donné à parler de cette responsabilité de la pleine conscience. Parce que tout le travail réside dans l'instant présent. Si je ne suis pas dans l'instant présent, eh bien, il y a récupération par l'ego, en fait. Alors, qu'est-ce que l'ego ? L'ego, c'est une nécessité d'incarnation dans notre vie concrète, au jour le jour. Cette nécessité d'incarnation, elle est là pour nous faire rencontrer la matière et participe à toutes les structures énergétiques et de notre être. Elle est là de façon à nous faire rencontrer la dualité terrestre. Et notre voyage dans la matière, eh bien, c'est d'harmoniser, ce serait d'harmoniser cette dualité terrestre de façon à l'unifier, de telle sorte à vivre les pleines dimensions de l'amour que nous vivons de façon très, très étriquée. Parce que tout le monde connaît le concept de l'amour inconditionnel. Il y en a combien qui le vivent aujourd'hui sur Terre? Et pourquoi? Parce que derrière, il y a cette notion de l'ego qui crée un tumulte pour lequel il n'y a pas suffisamment de conscience et qui nous amène à réduire l'expérience de la vie, l'expérience de l'amour. Et donc, c'est pour cela qu'il est nécessaire de prendre conscience de notre ego. Donc, c'est la bonne émission ce soir. Alors, l'ego, on peut le voir sous deux façons. Une façon où il va être complètement l'ami, complètement le meilleur serviteur, et c'est lui qui va nous permettre de vivre une vie qui est juste dans notre alignement d'âme et dans l'expression du mandat de notre âme. Et là, il y a en même temps cette notion de conscience. Et puis, il y a cette autre partie de l'ego qui fait partie de nous aussi, qui n'est pas séparée, et où il n'y a pas la conscience. Cette partie de l'ego, eh bien, c'est comme un petit enfant qui fait un caprice nerveux ou émotionnel par rapport à son parent. Et donc, à l'intérieur de nous, ce sont ces jeux qui sont en train de se jouer au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau compulsif. Et donc, si je ne suis pas conscient de ces jeux qui se trament en moi, qu'est-ce qui se passe? Je tombe dans le piège de l'identification. Et quand je suis complètement identifié dans une émotion, prenons par exemple la colère, je ne vois plus rien d'autre. Et c'est là où il y a toute la démarche de travail qui est à faire de façon à pouvoir tout doucement apprivoiser cette partie de notre ego qui est tumultueuse, qui est non consciente, qui est dans la dualité forte, qui est dans la tension, qui est dans la non-conscience. L'autre partie de l'ego qui est dans la transparence, la conscience, qui est dans l'observation neutre et qui est dans l'instant présent. La partie de l'ego tumultueuse, elle n'est pas dans l'instant présent. Elle est soit partie dans le passé, et là, eh bien, dans le tumulte, j'amène les peurs du passé dans le présent. Eh bien, ça pourrit mon présent et je ne peux pas vivre correctement de façon juste mon présent. Ou alors, cette partie-là de l'ego tumultueuse est partie dans le futur et je ne suis pas dans le présent. Ou ne serait-ce que quand une personne parle, je ne suis pas dans l'écoute, je suis en train déjà de préparer le raisonnement suivant pour répondre à la question et je ne suis pas présent. Tout ça, c'est l'ego qui est tumultueux. C'est pour ça que dans l'ego transparent ou l'ego serviteur, l'ego qui va épouser la partie de l'être profond, eh bien, nous sommes dans la notion de l'instant présent. C'est cette notion de l'instant présent
qui va permettre aussi à apprivoiser cette notion de l'ego tumultueuse, et on va y revenir. Alors, comment se structure l'ego au niveau énergétique? J'ai parlé de l'ego tumultueux en parlant de tumulte au niveau compulsif, tumulte au niveau émotionnel, tumulte au niveau mental. Ces trois aspects sont la structure de nos premiers corps énergétiques, où il y a le proche physique, et c'est là qu'il y a l'aspect compulsif qui a un accès direct au corps physique où il n'y a plus de raison. Et donc, par exemple, un tumulte au niveau compulsif, ça va être un fumeur qui, il veut prendre une cigarette, il se rend compte que le paquet de cigarettes est vide. Effet compulsif, il n'y a plus de raisonnement, il y a tout un système qui se met en marche, où se trouve le bureau de tabac ouvert et le plus proche, et la personne, elle n'a que ça en tête, et de façon compulsive, elle va jusqu'à acheter un bureau de tabac, elle ouvre le paquet, elle prend une cigarette, elle tire une première taf, et là, elle commence à nouveau à raisonner. Ça, c'est la compulsion. Donc, cette compulsion, on pourrait l'assigner à la nourriture, à la drogue, à la boisson, à tout type de choses, en fait. Donc, ça, c'est ce qui a un accès direct sur le corps physique. Au niveau du corps émotionnel, donc c'est le corps énergétique qui est juste après le corps éthérique. Donc, nous avons le corps éthérique. Il y a à voir cela comme des poupées russes qui sont emboîtées les unes dans les autres. Juste autour du corps physique, donc il y a le corps éthérique, et juste après, qui emboîte ces deux corps éthérique et physique, se nomme le corps émotionnel. Le corps émotionnel va nourrir les émotions. Et donc, si notre structure émotionnelle n'est pas suffisamment fluide, eh bien, on va y trouver la part de l'ego distorsionné. Donc, tous les blocages qu'il y a dans la structure énergétique émotionnelle viennent alimenter les schémas répétitifs de l'ego distorsionné ou qui est tumultueux. Et au-delà du corps émotionnel, il y a le corps mental. Et c'est là où se trouvent les croyances, les conditionnements, les formes pensées. Et quand il n'y a pas suffisamment de conscience, tout cela alimente l'ego tumultueux. Et donc, c'est pour ça que l'ego se trouve dans les corps proches du physique, éthérique, émotionnel et mental. Et juste au-dessus du corps émotionnel, il y a une couche qui est la couche de l'inconscient personnel, qui est superposée d'une autre couche, et tout ça, ça s'emboîte, hein, sont des structures qui s'emboîtent les unes dans les autres, il y a la couche de l'inconscient collectif. Et donc, éthérique, émotionnel, mental, nourrissent tout ce qui concerne l'ego distorsionné ou non transparent, accompagné par l'inconscient personnel, où il y a tous nos schémas de notre propre inconscient personnel, alimenté en mode de résonance par les schémas de l'inconscient collectif. Et au-delà de cela, il y a le corps des mémoires et les corps de lumière. Alors, toute cette notion de l'ego va créer une zone de brouillard, une zone de par les blocages ou de par la non-circulation ou une circulation distorsionnée de l'énergie de vie dans ces corps subtils. C'est comme si ces corps, pour vous faire une image, ils devenaient un brouillard. Et donc la lumière qui arrive des corps de lumière n'arrive pas à traverser suffisamment ces corps subtils pour toucher le corps physique. C'est pour ça que souvent je parle de transparence de l'ego, de telle sorte, comme pour signifier que le corps physique dans la conscience cellulaire n'est pas atteint directement par la lumière des corps de lumière. Plus, au contraire, la personne va être consciente de ses modes de fonctionnement, va voir travailler sur elle, aura des résolutions au niveau de la façon de fonctionner, au niveau des compulsions, des émotions, du mental, et que ça va être harmonieux, eh bien, ces corps énergétiques vont être fluides et ils vont être transparents. Et la lumière des corps de lumière va pouvoir atteindre de façon beaucoup plus, avec beaucoup plus d'aisance, le corps physique et la conscience cellulaire.
Et c'est là où débute le cheminement de conscience avec cette expression « incarner la lumière que nous sommes ». Je ne peux pas incarner la lumière que je suis si cette lumière ne m'atteint pas. Si les corps et les structures des corps énergétiques autour de moi sont suffisamment transparents, la lumière, ma propre lumière, hein, de mes corps de lumière, peut traverser la structure de ces corps qui constituent l'ego et m'atteindre dans la matière. Et là, il y a une conscience qui se crée de l'être et il n'y a plus ce qui est activé par l'ego, qui est la volonté et le faire. La volonté et le faire se transforment par la conscience de l'être en mouvement. Voilà. Et donc, c'est une façon de voir l'ego au niveau des corps énergétiques et il y a la même logique au niveau des chakras de par leur fonction, suivant si un chakra est harmonieux, distorsionné en mode d'effacement, distorsionné en mode de surexpression. Un exemple, si je prends le chakra du... Je ne sais pas, dis-moi un chakra, c'est lequel ? La base. Alors, chakra de la base, donc la fonction de la base, c'est notre façon d'être en connexion et en reliance à la Terre. Une personne qui va avoir un chakra de la base harmonieuse, c'est une personne qui va être à l'aise dans la matière, qui va être incarnée, qui va ne pas avoir de soucis particuliers. Un chakra qui, au contraire, est en mode de rétention ou en mode d'effacement, c'est une personne qui va avoir une petite énergie de vie, puisque la base, c'est aussi notre réservoir d'énergie de vie. Donc, c'est une personne, même si on ne la connaît pas et qu'on la voit à distance, on va la sentir fragile dans le fait de porter la vie. Ou alors, ça va être les personnes pour lesquelles toutes les autres personnes vont témoigner, ce monsieur, cette dame, il est tout le temps dans les nuages. Et donc, il perd ses clés de voiture, ses téléphones, il oublie où il garde la voiture, etc., etc. C'est-à-dire, la reliance à la terre, eh bien, elle est faible. Et le chakra de la base qui est en surexpression, ça va être une personne qui va être en rente, elle va avoir un surplus d'énergie qui va rentrer dedans, ça va être du rentre-dedans et ça va être du non-respect par rapport à l'énergie terrestre. Ça, c'est quand il n'y a pas de conscience suffisante ou quand la personne est dans des modes de fonctionnement de l'ego distorsionné ou non conscient ou tumultueux. Il y a de la force, mais cette force qui est de la force terrestre, elle est utilisée pour rentrer dedans et pour créer le chaos. Maintenant, une personne qui a une force, une surexpression au niveau du chakra de la base, et qui a travaillé sur lui, qui est conscient de qui il est, et qui est dans un mode de plus en plus d'éveil de lui-même, ça va être une personne qui va être une force de la nature. Et donc, c'est une personne qui va être dans la force de vie, il va y avoir le respect de la vie qui va l'accompagner, et il va y avoir cette énergie qui unifie la vie constamment. Ça peut être une personne qui peut être avec des, qui va rayonner des qualités de vie, qui va rayonner des valeurs de vie, qui va être un repère d'incarnation sans rien faire pour dont les autres personnes témoignent en fait. Voilà. Et donc l'ego, comment il est à voir au niveau d'un chakra, c'est il vient perturber la fonction du chakra si nous ne sommes pas suffisamment conscients de cet ego qui n'est pas aligné et qui est tumultueux. Donc pour la base, eh bien ça va créer une énergie de séparation plutôt qu'une énergie d'unification. Et pour la fonction des autres chakras, c'est pareil. Tout ego qui va être unifié, qui va être transparent, va nourrir l'unification. Tout ego qui n'est pas transparent ou qui est dans le tumulte, va nourrir un état de séparation, en fait. Et c'est très intéressant parce que avec ce que tu nous expliques, on sort carrément du bien, du mal, de ce qu'on peut imaginer d'être critique vis-à-vis d'une personne. Mm-hmm. En fait, on voit que c'est vraiment cet ego qui crée des perturbations. Et en fait, bien des personnes, du moment que l'ego,
On n'est pas conscient quand on est dans cet ego tumultueux. On n'est pas conscient qu'on crée des perturbations et qu'on est dans ce système, quoi. Et c'est ça, et c'est pas facile en même temps, c'est notre histoire de vie, mais dès qu'il y a la notion du bien, du mal, déjà il y a récupération par l'ego non conscient. Parce que ça veut dire que je cloisonne la vie, et d'un côté il y a le bien, d'un côté il y a le mal. Et le mal pour une personne n'est pas forcément le mal pour une autre personne. Donc tout ça c'est relatif par rapport à la personne, selon une échelle de jugement et de valeur. Sachant que l'expérience de vie, pour une personne qui est dans un ego transparent et qui est au service de la vie n'est ni bonne ni mauvaise. Les expériences ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont. Et la vie est. Et la personne qui va être dans l'ego transparent va servir le mouvement de vie. Alors que celle qui est dans l'ego non transparent, elle va être en bataille avec l'intérieur d'elle, avec l'extérieur d'elle, elle va perdre beaucoup d'énergie, elle va se fatiguer et elle va avoir tendance à être victime de la vie ou subir la vie s'il n'y a vraiment pas de conscience. Alors que la personne qui est dans la transparence de l'ego, elle va être au service de la vie, elle va savoir écouter les interactions de la vie, se positionner de façon juste et être au service de la vie dans l'être en mouvement. Il y a toute une intégrité qui est là et qui fait que je sers la vie et que mon libre arbitre, en fait, je le laisse décider par la vie dans laquelle j'ai une énorme confiance. Alors que dans l'ignorance de conscience, je crois que j'ai un libre arbitre fort. Je dis, c'est moi qui décide ma vie et c'est pour moi, dans mon intérêt personnel. Dans la transparence de l'ego, l'intérêt personnel, il est secondaire parce qu'en servant la vie, je sers qui je suis aussi. Dans l'ignorance de conscience ou dans l'ego distorsionné ou non transparent ou chaotique, tumultueux, eh bien, je crois que j'ai une grande liberté et je vais affronter la vie. Je vais me battre contre la vie pour arriver à des choses. Et or, ça vient nourrir l'état de séparation. Et ce n'est pas cela qui mène au bonheur. Et donc, il y a toute une notion d'inversion et il y aurait à redéfinir tout un tas de vocabulaire qui n'a pas la même signification pour une personne qui est consciente que pour une personne qui ne l'est pas. Donc, le bien, le mal, c'est la vision de l'ignorance de conscience et de l'ego distorsionné, alors que l'ego transparent ou la personne en éveil, elle ne va pas forcément parler de bien ou de mal, parce qu'elle va passer par les deux en même temps. Elle va passer aussi bien dans l'ombre que dans la lumière, sans juger ni l'ombre ni la lumière, en fait. Et c'est là où on a cette fonction d'unification. Et tout ce travail, ce n'est pas à l'extérieur que ça se passe. Alors, en priorité, c'est à l'intérieur de soi. Voilà. Et donc là, il y a plein de choses à dire. Donc tout dépend de quelles sont les questions pour développer la direction, une direction particulière. Alors là, pour le moment, je ne vois pas de questions dans le chat. Okay. Je pense que les gens, ils sont comme moi. Ils t'écoutent avec bonheur et délices. Ok, alors pose-moi des questions, Brigitte, pour détailler ou préciser. Alors moi, j'ai une question vraiment pratique. Comme je sais que tu pratiques des soins énergétiques, alors, tu dois les sentir, ces formes, au niveau énergétique. Oui. Quand tu fais des soins, c'est clair. Oui. Oui. Et ma question, c'est est-ce que on arriverait à rendre l'ego transparent en ne pratiquant que des soins énergétiques? Alors, à la longue, oui, parce qu'un soin énergétique va mener à un état de transparence. Cet état de transparence va permettre une sorte de sa propre lumière de traverser. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va stimuler les chakras, dont la conscience. Et donc, petit à petit, je vais être conscient de ce que je fais et qui est erroné. Mais c'est comme un soin énergétique, c'est comme quand je me brosse les dents. Si je me brosse les dents et que 5 minutes après je mange, eh bien mes dents sont plus propres. Eh bien avec les soins énergétiques, c'est pareil. Si je vais vivre un soin énergétique
et que j'ai un peu dit, ben voilà, c'est vous le spécialiste énergéticien, allez-y, faites, je ressors de la consultation, j'ai rien compris, et c'est le spécialiste qui a tout fait, eh bien ça sert à pas grand-chose, parce que si je n'ai pas pris conscience des formes erronées de mes modes de fonctionnement qui alimentent cette nourriture de brouillard et de blocage dans mes corps subtils, tout de suite en sortant du cabinet, je vais recommencer à déstructurer et recréer à nouveau ces blocages. Et donc, il peut y avoir un effet de bien-être, un bienfait pendant quelques jours, et puis petit à petit, la personne, elle revit la même chose. Voilà. Et c'est pour ça que dans mes consultations, je ne pratique pas que des soins énergétiques. Avant un soin énergétique, il y a un espace de verbalisation de façon à pouvoir travailler une limite ou délimitation de la personne, de façon à tout doucement la guider vers une conscientisation. Parce que, par exemple, si je prends conscience que j'ai un mode de fonctionnement mental qui agit sur un mode comportemental de par une croyance erronée, dès que je lui prends conscience de cette croyance erronée, mon mode comportemental va se transformer. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Par voie de conséquence, je ne vais pas nourrir le blocage au niveau du corps mental qui correspond à telle croyance. Et donc, c'est pour cela que j'associe tout le temps un mode de conscientisation avant le soin énergétique. Et donc, ça crée une synergie qui accélère la guérison. Cependant, s'il n'y a que des soins énergétiques, il faudrait qu'ils soient très proches les uns des autres et qu'une personne soit totalement investie de façon à maintenir une sorte de transparence et que la personne se transforme. Alors, ça arrive. C'est comme une personne... La question à se poser, c'est ce que j'ai et qui est non désirable, est-ce que ça me sert ou est-ce que je n'en ai plus besoin? Si je n'en ai plus besoin, il est possible qu'en une séance énergétique, il y ait une transformation radicale qui s'opère. Cependant, si je n'ai pas pris conscience et que ça a à me servir, ou si je passe par une sorte de nettoyage karmique ou d'initiation, c'est un passage obligé, eh bien, ça ne va pas faire grand-chose. Et donc, un soin énergétique va mener quand même un état de bien-être, va mener petit à petit une nouvelle vision qui va se transformer, mais c'est relativement lent. Ce qui accélère cette transformation, c'est la conscience. Parce que tous nos blocages viennent de l'ignorance de conscience. Parce que tout blocage fait que le corps somatise, mais ce qui se voit, c'est la conséquence, mais que ce qu'il y a en amont, c'est un état de séparation, et c'est cet état de séparation qui est nourri par non-conscience de la personne au niveau compulsif, émotionnel ou mental. Et donc, s'il y a cet état de séparation disparaît, eh bien, il n'y a plus, les symptômes disparaissent de la même façon, puisqu'ils sont reliés à l'état de séparation. Oui. Et en fait, c'est vraiment par, comment dire, moi, pour ce que j'ai vécu, c'est vraiment, on travaille par couche, quoi. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur un schéma mental et on va voir que ça provoque des émotions, qu'il y aura de la compulsion. Et plus on élargit la conscience et plus on revisite quelquefois les mêmes schémas, mais dans des couches encore plus profondes. Oui. Mmh. Et des fois, on est démunis, quoi. Et c'est là où il faut vraiment se faire aider, quoi. Parce que, oui, c'est ça. Mmh. Pour moi, toute seule, oui, il y a des choses que j'ai pu faire toute seule. Mais à un moment donné, on a besoin de... j'ai envie de dire, d'une conscience extérieure qui regarde notre fonctionnement pour faire effet miroir. Bien sûr. On se voit. Ouais. Oui, bien sûr. C'est l'histoire de l'oignon. Je pense avoir réglé quelque chose. Et puis, en effet, c'est réglé. Je pense que c'est réglé. Mais c'est comme si c'était une ou deux peaux de l'oignon. Et puis, un beau jour, je tombe sur une expérience. Je dis, mince, c'est pas encore réglé. Là, c'est une couche un peu plus profonde et c'est là où il est nécessaire d'avoir une méthodologie
de conscience de soi, une méthodologie d'approche qui va faire que j'ai la capacité d'observer ce qui se passe. Soit dans l'instant présent, si je suis suffisamment conscient, soit en différé, si je ne le suis pas. Et donc, je donne des exercices, je donne des devoirs aux personnes d'une consultation sur une autre pour qu'elles puissent observer, par exemple, comme tu l'as posé, un schéma mental. Un schéma mental qui va être relié à une croyance ou à un conditionnement, eh bien, je vais proposer à la personne d'observer des phases de situation de son quotidien et de voir au jour le jour comment le schéma a été rencontré et vécu, de façon à ce que petit à petit, elle amène de la conscience là où il n'y en a pas. Et donc, en décortiquant, en plus, s'il y a un mode réactionnel à chaque fois, c'est très facile à déceler parce que l'ego se contracte. C'est combien de temps j'étais en prise dans ma vie, dans ma journée. Donc je sais quand j'étais en prise. Et quand je suis en prise, c'est trop tard parce que je suis la tête dans le guidon, je suis dans l'identification et je n'y vois plus rien. Tout le travail va consister à petit observer ces modes de l'identification de façon à voir les mécanismes qui sont là sans refouler ce que je vis. Et c'est là où il y a tout l'art de la personne qui s'éveille en conscience, c'est de devenir petit à petit observateur de qui elle est dans ses pensées, dans ses modes de fonctionnement, dans ce qu'elle vit, sans rejeter s'il y a une colère qui est là. Parce que c'est une partie de nous. Si je la rejette, je ne suis pas dans la réunification, je suis dans la séparation. J'ai à rester dans ma place d'observateur tout en accueillant l'énergie de la colère. Donc, ce n'est pas facile d'arriver à ce stade-là. Donc, il y a tout un travail à faire qui va être un travail de décortiquer. Par exemple, si je décortique le même schéma, prenons un exemple, une personne au travail, voilà, le vendredi qui arrête son travail à 17h, et puis à 16h55, le directeur arrive systématiquement chaque lundi avec un nouveau dossier, il dit ça c'est important. Et cette personne, secrétaire de direction, elle ne sait pas dire non. Le directeur l'a compris et il vient jouer sur ça. Et donc cette personne, elle accepte ça, mais ça va créer d'énormes tensions et à chaque fois, elle tombe dedans parce qu'elle est identifiée à ce mode de fonctionnement dans lequel elle ne sait pas dire non. Alors après, il y a des logiques. La logique qui est peut-être là pour cette dame qui est secrétaire de direction, c'est qu'elle manque de reconnaissance, elle fait plus de travail qu'il ne le faut pour accueillir de la reconnaissance du directeur et elle n'en a même pas. Et donc, elle a décidé de travailler sur ça. Elle va voir un thérapeute où il y a à la fois des soins énergétiques, du travail de conscientisation. Et puis, petit à petit, donc, ce thérapeute lui dit, ben voilà, chaque fois, vous décrivez qu'est-ce qui se passe quand vous vivez cela. Et donc, la personne, quand elle va décrire quel est le déclencheur, qu'est-ce qui crée un mal-être, comment se répète le schéma, est-ce qu'elle veut le vivre constamment ou est-ce qu'elle veut en sortir, quand cette personne aura décrit en différé sur un cahier, le soir après avoir vécu sa journée, parce qu'elle aura repéré, parce qu'elle aura été en contraction dans son ego, eh bien, la 20e ou 30e fois, elle connaît le schéma par cœur. Comme elle connaît le schéma par cœur, elle devient consciente et elle sait que quand elle voit le directeur arriver avec un nouveau dossier, même s'il n'est pas rose, que la chemise est jaune, elle connaît toute l'histoire déjà. Donc, comme elle connaît toute l'histoire, elle est consciente dans l'instant. Et là, peut-être qu'elle a préparé son scénario avec le thérapeute, donc elle accueille le directeur puisqu'elle connaît tout ce qui va se passer. Et peut-être que là, elle va lui dire la première fois de sa vie non, mais un non conscient. Et peut-être qu'elle aura construit le scénario en disant « Monsieur le directeur, là on finit à 17h, à 17h05 je rencontre une amie que je n'ai pas vue depuis très longtemps, et donc on va aller à tel endroit. Donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse en 10 minutes ?» Elle lui renvoie la responsabilité. Et là le directeur, c'est lui qui décide. Cette dame, elle est restée centrée, elle est restée concrète, et elle n'a pas donné cette partie d'elle-même, peut-être de par ce schéma de non-reconnaissance, pour obtenir en échange la reconnaissance inconsciemment, bien sûr. Voilà. Et c'est comme ça que nous tombons dans les pièges, parce que nous ne sommes pas conscients. En fait.
Et donc, c'est la conscience qu'il y a à travailler de façon à apprivoiser notre ego, de façon à rendre transparent notre ego dans sa dimension compulsive, émotionnelle et mentale. Est-ce que c'est parlant? Ouais, enfin, moi j'ai l'impression de me revoir hein, dans toutes les situations compulsives où tu te dis « Ah, là j'ai repéré, je ne vais pas rentrer dedans. » Voilà, c'est ça. C'est « Je ne vais pas prendre le déclencheur » et tu te dis « Waouh, la première fois où on y arrive, je trouve que… Oh » enfin, moi je sautais de joie après, tellement j'étais contente, je me disais « Yes, quoi, le coup là, c'est bon. » Que j'ai beaucoup aimé, c'est dans l'exemple de la secrétaire, c'est de poser une question ouverte. Oui. Pas rentrer dans le schéma. Ça, c'est super intéressant. C'est ça. Et ouais. Donc, plutôt que d'endosser la responsabilité par schéma inconscient de demande de reconnaissance, eh bien, là, elle renvoie la responsabilité à l'expéditeur. Oui. Oui, c'est vraiment super intéressant. Et en fait, dans ton travail, est-ce que tu privilégies une porte d'entrée ou une autre par rapport à l'ego, ou c'est vraiment en fonction des gens qui arrivent? Aujourd'hui, quand une personne arrive, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, elle s'assied à une chaise en face de moi. Il y a la table de massage qui est à côté. Elle s'assied en face de moi à une distance d'environ 70-80 cm. Et moi, j'ouvre toutes mes structures. Et là, il y a tout un flot d'informations. Parce qu'il faut voir que notre corps juste éthérique est au minimum à 80 cm du corps physique, 1 mètre, 1 mètre 50. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tous nos corps énergétiques sont imbriqués. En ouvrant et en me plaçant dans une écoute, dans une attitude de réceptivité, d'écoute, je perçois plein d'informations et la personne, elle parle. Et déjà, il y a un pré-travail qui se passe au niveau énergétique par le mode de rayonnement. Et ensuite, eh bien, je pose des questions simples sur pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle a envie de travailler, quelle est la plus grosse limite à son évolution. Et puis, il y a quelque chose qui se présente tout doucement. Et hop, et on s'engage dedans. Et là, j'amène des éléments pour attirer l'attention de la personne. À partir de cela, eh bien, je donne un travail, des exercices à faire, des livres à lire, et ensuite, je travaille au niveau énergétique dans l'opposé de ce pourquoi elle est venue, de façon à ce qu'il y ait une imprégnation dans la conscience cellulaire de, moi j'appelle ça, du futur qui est court-circuité, amené dans le passé pour vivre l'instant acquis au présent. Et donc, dans le traitement énergétique, il y a la solution qui est déjà établie depuis longtemps, et ça, c'est juste imprégné énergétiquement dans la conscience cellulaire. Et bien entendu, il y a le désengorgement des structures qui le nécessitent, que ce soit les chakras, les cordes subtiles et toutes les autres structures. Voilà comment ça se passe dans une consultation. Donc c'est pas je fonctionne comme ça, ça fait combien? Ça fait 8-10 ans. Avant, j'étais plus dans des modes d'application d'une méthode, d'application et plus le temps a passé, plus j'ai acquis une sorte de conscience et de confiance. Plus ça s'est ouvert et plus je me suis aperçu qu'en laissant l'ouverture être, en laissant les choses venir et se faire, on arrive sur quelque chose d'essentiel de la personne. Voilà. Donc aujourd'hui, je laisse faire la vie, en fait. Et enfin, je conseille à tout le monde de prendre une séance, même à distance, avec Jean-Luc, parce que c'est un moment magique. D'ailleurs, moi, quand j'ai lu ton article, là, je me suis dit de suite, je vais écrire, mais je ne pouvais pas y aller physiquement. Et c'est extraordinaire la façon dont tu décris nos structures, en fait. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment magique. Donc, si vous avez envie d'offrir ou de recevoir un cadeau de Noël qui vous fasse du bien, prenez des séances avec Jean-Luc. Mm-hmm.
c'est vraiment exceptionnel, quoi. Et donc, on va regarder un petit peu l'heure. Oui, on a encore du temps. Très bien. Pour ceux qui ont déjà, comment dire, qui ont déjà une partie, on va dire, qui sont déjà en éveil, il y a un moment, il y a des phases qui sont un peu, je veux pas dire difficiles, quoi, mais il y a des phases où c'est vraiment tendu. C'est quand on revient vraiment à l'intérieur. Et par exemple, moi, je vais parler de ce que je vis actuellement. J'ai une partie, par exemple, de mon enfant intérieur. Il est vraiment rebelle sur certaines situations. Et j'ai un parent qui bloque, ce qui fait que il me bloque les infos. Donc, en fait, ça fait comme si j'ai mon cerveau qui se court-circuite, quoi. Voilà. Et ça, c'est l'histoire de tout le monde dans ce cheminement de l'éveil. Et c'est là où il y a à mettre en place des choses de base. Ouais. Alors, pour les auditeurs, notez bien ça, c'est essentiel. Voilà. Il est essentiel de pratiquer une certaine méditation. Ne rentrez pas forcément dans une méthode, mais rentrez dans votre méditation de façon à pouvoir toucher votre rythme intérieur et cette notion d'harmonisation qui se crée de par cette méditation. Cette phase méditative n'a pas besoin d'être très longue, c'est pas 3 heures par jour. Si une personne peut faire 1 quart d'heure, eh bien c'est parfait. Si la personne peut faire 1 demi-heure, c'est encore mieux. Et donc, il est nécessaire qu'il y ait une hygiène énergétique qui nous amène à sortir des mouvements intérieurs, se poser du mouvement extérieur et se poser à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui progressivement va nous permettre de prendre, d'avoir cette aptitude petit à petit de rester dans son axe tout en observant le mouvement extérieur, y compris cette notion de l'enfant intérieur, du parent, parce que derrière il y a des choses qui ne sont pas résolues. Et donc, la mise en place de cette notion de l'observateur neutre va permettre de conscientiser qu'est-ce qu'il y a derrière ce qui n'est pas résolu. Et c'est là où progressivement, je vais apprendre à être moins identifié. Oui. Et donc, je vais apprendre à être de plus en plus observateur et me dire, ok, il y a la colère, mais cette colère, ce n'est pas moi. Cette colère, elle est là, ok, je l'accueille, je la laisse être, mais en même temps, ce n'est pas moi et ce n'est pas ce que je décide de vivre parce que j'ai l'habitude de méditer et donc j'ai musclé un petit peu mon axe. Ça fait que je ne suis pas désaxé ou quand je suis désaxé, j'ai ce réflexe de respirer, revenir. Et ça, ce n'est pas facile au début et c'est pour ça qu'il est nécessaire de tous les jours, de méditer et d'observer sa vie en se demandant aujourd'hui, c'est à quel moment j'étais en prise à la vie et où j'étais en distorsion. Et c'est à quel moment où je suis tombé dans un piège émotionnel, dans une notion du mental distorsionné ou dans une notion de la compulsion. Et de ne pas me juger, bien entendu, mais de partir de ce constat et d'observer. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des transformations naturelles. Quelles sont les premières transformations que vit une personne dans le réveil ou sur le chemin de l'éveil? Elle va se rendre compte que elle critique de moins en moins. Elle juge de moins en moins et après elle ne juge plus. Elle ne critique plus de façon séparative. Sa critique va être tout le temps constructive. C'est ça, ce sont ces indicateurs-là qui montrent qu'il y a ces premières transformations à l'intérieur de soi qui fait que progressivement, eh bien, je ne vais pas me juger. Je ne vais pas me critiquer, je vais m'accueillir tel que je suis, je vais avoir cette gymnastique d'observation tout en laissant être ce qui est, que ce soit une émotion, une réaction ou autre. Et surtout, je ne vais pas réagir au quart de tour avec les autres égaux. Parce que
la majorité des gens ne sont pas suffisamment conscientes. Donc, ce ne sont pas les personnes qui se rencontrent, ce sont les égos non transparents qui se rencontrent. C'est pour ça que les communications sont tellement superficielles au travail ou dans les lieux où les personnes ne se connaissent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce paravent de l'ego qui est là. Et c'est OK, hein, c'est juste. S'il y a plus de conscience, eh bien, je vais mieux observer les jeux des égos des autres personnes. Et donc, ça ne va plus m'impacter. Et donc, plutôt que de rentrer dans le jeu de ping-pong où je renvoie la balle de ping-pong à chaque fois, eh bien, je vais laisser la balle de ping-pong passer devant moi. Je ne vais pas donner de la nourriture à l'ego adverse s'il y a une opposition, et l'énergie va s'éteindre. Et c'est là où il y a comme conscience que c'est nous qui donnons de l'énergie à l'autre, où je donne un bâton à l'autre pour qu'il puisse taper sur mon ego. Et c'est là où il y a inflation des égos, et puis voilà, et ça éclate. Et donc, les deux exercices de base, c'est la méditation régulière et ensuite l'observation de qu'est-ce qui est venu en prise dans ma vie, dans ma journée, et au jour le jour. Faire ça de façon à pouvoir détecter les contractions dans sa journée. Et pour la méditation, il y a un cadeau. Je vous donnerai le lien du cadeau que vous pouvez avoir, cette méditation gratuite sur mon site. Oui. Quand je partage le replay, il y aura le lien du nouveau site. Très bien. Du nouveau site, parce que sur l'article que j'ai partagé, il y a les anciens sites. Okay. Et par contre, j'ai vu que tu en as fait un nouveau où tout est arrivé. Oui. Voilà, c'est ça. Facile pour que les gens s'y retrouvent et ils vont trouver cette méditation gratuite. Voilà, c'est ça. Alors je peux le dire oralement, le site c'est www.lavoiedureiki.com et dans les onglets vous allez à cadeau. Et dans cadeau, vous allez voir, il y a des bons de réduction, il y a 50% pour tout nouveau client, il y a offrir un bon cadeau, une séance pour une personne, et il y a méditation gratuite. C'est là, il y a des champs de contact. Mettez votre nom, prénom, adresse email, code postal ville, et vous recevrez la méditation gratuite. C'est dans cette méditation. Elle est particulière, c'est une méditation qui s'appelle Contact avec le moment présent. Elle est destinée à observer, à apprendre à observer sans forcer la fonction de l'observation. Et au bout d'un moment, dans cette méditation guidée, je dis des mots particuliers de façon à ce que vous puissiez, que les personnes qui vivent cette méditation puissent prendre conscience de la partie cachée des mots et de l'énergie des mots. Et donc, quand je vais dire le mot « amour » ou le mot « remerciement » ou « gratitude », l'énergie engendrée est totalement différente. Et donc ça, c'est une belle expérience à vivre, parce que nous nous rendons compte que les mots que nous utilisons ont une énorme énergie qui est cachée. D'ailleurs, notre langage verbal, c'est uniquement 30% de la communication. Hein. Le 70%, c'est le non-verbal dont l'énergie est dégagée. Et puis, on parle beaucoup de l'ego, c'est vrai, mais ça demande un engagement et j'aime pas le terme travail, mais en même temps, c'est quand même du job, quoi, de s'en occuper, de prendre conscience, de regarder. Ça se fait pas en une semaine ou, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, il m'a fallu plusieurs années, hein, et j'ai encore du chemin. Et donc, tu vas proposer des ateliers pour travailler. Pas seulement travailler, faire du nettoyage. C'est ça, parce que c'est bien d'être en conférence, d'avoir une dimension intellectuelle, mais c'est encore mieux que d'aller dans la pratique, parce que notre vie, elle peut passer et elle passe vite. Et donc, si je fais rien aujourd'hui,
C'est personne d'autre va décider à ma place de nettoyer mon ego. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place des ateliers de travail en profondeur. Hein. Et donc, il y a un premier atelier de travail en profondeur sur l'ego de 3 jours qui s'appelle la transformation de l'ego et qui va être animé avec une personne qui est connue. Alors, je ne dis pas son nom pour l'instant et je lui laisse la primeur pour l'annonce. Hein. Et donc, ça va être le 26, 27, 28 mai et ça va être du côté de Toulouse. Voilà. Donc ça, c'est un gros travail de l'ego qui est là, avec quelque chose de très, très original, puisqu'il y a tout un travail avant le stage, après le stage et dans le stage. Voilà, on ne laisse pas des gens comme ça. Il faut savoir que le travail de l'ego, c'est pas je fais un stage comme un autre. S'il y a un travail sur l'ego, on va demander aux personnes de s'engager, c'est-à-dire... Est-ce que vous avez envie de vivre la même vie ou pas? Et si c'est non, vous vous engagez dans quel pourcentage? Et pour les personnes qui sont vraiment motivées, alors on va les prendre en priorité. En fait, voilà. Il y a un autre stage qui est prévu le 25-26 février, donc on ira moins loin parce qu'il n'y a que 2 jours. C'est un stage qui s'appelle Constellation d'âme et donc on va aborder l'ego différemment. On va aborder l'ego avec une notion de diagnostic et de lecture. Donc, il y a de la numérologie, de l'astrologie, du tarot pour identifier la coloration de l'âme et là où on est l'ego par rapport à sa mission, son chemin d'âme. Et ensuite, on va travailler sur les dimensions de l'ego. Identification de l'ego, mise en pratique, exercice pratique et éventuellement coaching de suivi après pour les personnes qui le souhaitent. Voilà. Donc là, il y a ces deux ateliers-là qui sont proposés de façon à être dans du concret. Je pense que quand tu travailles 2-3 jours à fond, ça doit vraiment être porteur pour la suite, quoi. Oui, c'est ça. Quand on fait un coaching où on est une fois par semaine, là, on déblaie de beaucoup et ensuite, c'est plus facile dans la vie courante, quoi. C'est ça. Et là, c'est plus que 3 jours, puisque avant, dès l'inscription, ou peut-être un mois avant ou quelques semaines avant, il va y avoir un début de travail et il va y avoir une proposition de travail avec engagement de travail. Et donc, ça va être par... Voilà, il y a des surprises qui sont organisées, hein, je dévoile pas. De façon à ce que quand les personnes arrivent au stage, elles sont en plein dans le travail de l'ego et c'est là où ça devient intéressant. Et là, on va aller en profondeur. Et l'idée, c'est que les personnes soient conscientes des rouages qui ne fonctionnent pas et tous les moyens de travailler dessus et partent dans l'engagement de travail, pas toutes seules, en petits groupes. De façon à ce que quand je suis seule, j'ai un travail à faire, eh bien, je peux trouver plein de prétextes pour ne pas avoir le temps de le faire. Si je suis engagé dans un petit groupe de 3-4 personnes où chacun a sa fonction, superviseur, acteur, consultant, et que ça tourne à tour de rôle et qu'il y a un planning prévu et que chacun s'engage à cela, eh bien, je vais trouver moins d'excuses pour ne pas aller vers ce travail. Voilà, c'est toute cette structure-là que l'on met en place pour vraiment approfondir et faire un travail concret sur l'ego. Ah ouais, ça c'est génial. C'est génial. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec, d'ailleurs tu connais, avec Ima. Ima, on a des schémas opposés complémentaires. Mm-hmm. Et donc, c'était vraiment super intéressant. Et on s'est dit dès le départ qu'on se dirait tout, même les trucs qui fâchent. Et vraiment, des fois, c'est aller loin, hein, parce qu'on avait vraiment des schémas très durs qu'on ne voyait pas forcément ou qu'on voyait chez l'autre mais pas chez soi. Mais c'est comme ça qu'on a beaucoup, beaucoup avancé, quoi. C'est ça, oui, c'est ça. Quand on commence un travail avec l'ego, il est essentiel de s'engager à devenir, à passer dans l'état d'humilité et dans l'état d'authenticité. Et puis de fixer des règles de fonctionnement de communication.
Et que dans ces règles de fonctionnement, c'est que, ok, si j'ai une émotion, j'ai une émotion. Et bien sûr, je ne vais pas m'identifier, mais l'observer, mais je vais la vivre. Et que je vais essayer de couper un petit peu tous ces repères du regard de l'autre, du socialement correct, de façon à sortir de ce carcan qui est là et qui nous maintient. C'est réellement une matrice, hein, qui maintient l'état de l'ego non conscient ou distorsionné, en fait. Hein. Et c'est là où il y a réellement un engagement à faire et il est à clarifier par soi-même. Personne d'autre ne peut faire cet engagement pour soi. Et c'est plus un engagement de un week-end et ça y est, mon ego est paré. Non. Il y a plusieurs années, et même après plusieurs années, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Parce que le chemin de conscience ne s'arrête pas. Parce que si vous rencontrez un maître dans la matière et que vous demandiez à ce maître, est-ce que vous sentez que vous êtes réellement maître? Il dira non. Parce qu'il dira qu'il est en lien avec quelque chose qui est supérieur à lui et qui est son maître. Donc, il n'y a pas de finalité et il n'y a pas de maître. Et c'est là où il y a tout le temps ce mouvement qui est là, et c'est un mouvement de conscience qui est là. Et donc, tout le cheminement à faire pour l'ego est un cheminement de conscience. Et ce cheminement de conscience commence par la méditation et l'observation de soi, de façon à pouvoir progressivement, à pouvoir observer ce qui se passe dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, avoir l'humilité de lâcher et de ne pas y mettre de l'importance. Voilà, c'est tout ça la matière alchimique à travailler, en fait. Alors, justement, je vois qu'il y a Ima qui nous suit ce soir et elle te pose une question. Mmh. Elle te demande, alors elle dit « Bonsoir Jean-Luc, peut-on Bonsoir. Imaginer qu'un jour l'inconscient collectif n'aurait plus de poids sur notre mental égo ?» Très bonne question. Alors, bonsoir Ima, mais merci pour cette question. Il y a une transformation qui se vit sur la planète Terre. Cette transformation, c'est la transformation de la dualité-séparation qui fait que toute notre race humaine est en totale transformation énergétique. Il y a des nouveaux chakras qui sont là, et ces nouveaux chakras ont pour objet de nous faire vivre un espace non-duel. Ça, c'est à l'intérieur de nous, et le corps, le plan de l'astral, est en passe de se transformer, et d'après l'enseignement que j'ai reçu il y a plus de 15-20 ans, est en passe de se transformer pour devenir un corps de lumière. C'est tout ce qui se passe actuellement dans la danse forte de l'ombre et de la lumière. Là où il y a accentuation de lumière, il y a accentuation d'ombre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la vie terrestre, tout est en équilibre, tout est précaire et tout semble aller de moins en moins bien. Or, c'est une nécessité de transformation. La Terre est en train de s'épurer parce qu'elle se transforme. Et donc, le plan de l'astral, qui correspond aussi à notre corps de l'astral, est en train de devenir de plus en plus lumineux, où l'état de la dualité va se minimiser pour passer dans une vision de dualité unifiée. Et là, ça n'engage que moi, hein, c'est mon point de vue. Dans cette vision de la dualité unifiée, c'est un petit peu l'énergie du paradis céleste qui devient paradis terrestre. Passer de la dualité séparative à la dualité unifiée, c'est notre mission et c'est l'effet de l'amour. Et là, lorsque ce sera arrivé, alors bien sûr, c'est pas en 6 mois, c'est pas en 1 an, ce sont des dizaines d'années, peut-être des siècles, parce qu'il y a toute l'évolution de la race humaine, mais en même temps, ça peut être du hors-temps, parce que ça peut être très rapide et sauter d'une ligne temporelle à une autre aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, où l'humain s'est passé dans l'alignement et l'intégration de la dualité séparative, et donc ce sont ces 3 vases d'amour, conscience, cœur
et Hara, c'est-à-dire le centre du pouvoir, qui sont alignés, ça crée un état qui est la conscience du cœur en mouvement, ou le mouvement du cœur conscient. Cet état-là amène à tout pacifier dans notre vie, amène la conscience, il va en même temps que l'éveil de conscience. Une personne qui est en éveil de conscience, elle est forcément alignée dans la conscience de l'amour en mouvement. Et elle le vit. Et elle est en interaction avec. Quand il y a cet état-là, et imaginons qu'il y ait une certaine masse critique de la population qui vive ça, eh bien, il y a une fonction de bascule au niveau de toute la conscience planétaire qui fait que toute la structure est accélérée et le corps de l'astral est aidé et devient corps de lumière, et notre corps de l'astral est aidé et devient corps de lumière. Et donc, on passe de la dualité tension à la dualité unifiée, et c'est cette dualité unifiée qui fait que notre inconscient devient conscient. Parce qu'une personne qui est dans le chemin de l'éveil, elle amène de la conscience constamment là où il n'y en a pas, dans son inconscient. Si nous sommes alignés et stabilisés dans l'état de la conscience du cœur en mouvement, que je le vis, je l'interagis, ça veut dire qu'il n'y a plus de guerre à l'intérieur de moi. S'il n'y a plus de guerre à l'intérieur de moi, est-ce qu'il y a des raisons qu'il y ait des guerres à l'extérieur de moi? Non. Et c'est là où la dualité disparaît et où, comme la dualité disparaît, l'inconscient collectif n'est plus alimenté et l'inconscient collectif devient transparent aussi. Donc pour moi, selon mon point de vue, oui, je rêve à cela, que l'inconscient collectif soit totalement transparent, parce que c'est ce qui nous attend, peut-être pas demain, mais pas si loin, dans un certain nombre d'années. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Ima. Sinon, pose des sous-questions. Alors, je regarde. Non, il n'y a pas d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, on arrive au bout de l'émission. Très bien. On va s'en garder un petit bout pour la prochaine. Avec plaisir. Si ça t'a plu, on pourra en faire plusieurs autres. Si vous avez des questions et que vous aimeriez que Jean-Luc aborde un angle de vue bien spécifique, n'hésitez pas à poser vos questions, soit à lui envoyer directement sur son mail les questions, ou les envoyer sur mon mail Les couleurs de l'âme, ou par Facebook, et on abordera les questions qui vous parlent la prochaine fois. Ça peut être intéressant, ça. Bien sûr, des thématiques que je pourrais proposer, ça pourrait être aussi, parce qu'il a tendance à être un peu oublié dans l'évolution spirituelle, c'est le corps physique. Le corps physique, c'est notre temple de lumière. Donc, ça veut dire que si je suis réellement dans une démarche d'éveil spirituel, je ne peux pas négliger mon corps physique. Et si je ne néglige pas mon corps physique, je suis obligé d'être conscient des nourritures de mon corps physique. Nourriture auditive, visuelle, alimentaire. Et là, il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a une inconscience totale de l'alimentation, de par tout le conditionnement du marketing de la surconsommation alimentaire qui est là. Et c'est là où il est essentiel d'avoir la connaissance pour sortir de l'ignorance de conscience, afin de faire de meilleurs choix, parce que c'est dramatique ce qui est en train de se passer avec le non-respect du monde animal, avec les trafics au niveau des végétaux, et tout cela, eh bien, nous achetons, nous nourrissons ces systèmes, et il est essentiel de devenir conscient de tout cela. Ça fait partie aussi du cheminement de l'éveil que de savoir nourrir la justesse, en fait, dans la vie. Et le corps, il a aussi sa propre conscience. Bien sûr. Ça, c'est ce que j'expérimente en ce moment, de demander à mon corps, voilà,
Est-ce que tu veux ça ou tu veux ça et de suivre ce qu'il demande. Et c'est super intéressant. Oui. Jusque-là, moi, j'avais tendance à ne pas habiter dans mon corps. Et là, d'entrer en relation, c'est encore un autre champ de conscience qui s'ouvre, quoi. Et comme tu dis, quoi, c'est sans fin. C'est vraiment magique, quoi. En tout cas, ce sera avec grand plaisir que je partagerai sur plein de thématiques. Hein, c'est celle que vous souhaitez. Ouais. Parce qu'en plus, Jean-Luc, tu accompagnes aussi au niveau de la nutrition. Oui. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. J'ai vu au niveau de ton site, tu accompagnes un couple. Oui. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je n'avais pas vu l'autre fois? Il y a, je pense que j'ai rajouté l'accompagnement à la médiumnité. Donc là aussi, il y a beaucoup à dire sur cette thématique, de façon à être dans la justesse, dans l'alignement, et donc démystifier un petit peu la médiumnité, parce qu'à la fois nous sommes tous médiums, mais à la fois il n'y a pas à rentrer dans des choses qui peuvent être des pièges, hein, des pièges liés aux énergies, aux vibrations. Et donc tout ça, c'est à clarifier aussi. Ouais. Eh bien, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir. Mmh. Tu as vraiment une très très belle énergie. C'est vraiment un bonheur, quoi. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Et on vous tiendra au courant de la suite des thématiques. Et si vous avez des questions, posez-les pour qu'on puisse y répondre. Eh bien, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup Brigitte et merci de cet accueil qui m'a permis cette première intervention et je me rends compte que j'adore ça en fait, tu vois, donc je suis prêt pour renouveler l'expérience. Oui, super. Et merci à tous les auditeurs qui sont là et qui ont été là jusqu'à la fin. Ouais, merci beaucoup. Alors bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. If we want to change the world, we must first change the media. Mainstream media exists for the purposes of indoctrination and manipulation of public perception. The world of free and independent media is growing, and with the upsurge in information now available in the public domain, it has never been easier to access free and independent media. The exploration of this information resulted in an experimental project which would provide a fully supported space for researchers, whistleblowers, and seekers of all kinds to express themselves and educate the world. On the 1st of January 2015, Conscious Consumer Network was launched to the world. Nobody thought we would make it this far, but CCN is the longest running free and independent media network of its kind. CCN is a unique collaboration of hearts and souls, bringing you information from different perspectives to educate and inform. Since we started CCN, we have had only one desire, the pursuit of a free, fair, just, sustainable world, and this has not changed. Having overcome many challenges over the last 2 years, CCN is here to stay. And we've got great things lined up for 2017. Help keep CCN on the air by supporting the 2017 Network Support Fund.